Salut tout le monde, c'est Erwan, alors bienvenue dans ma toute nouvelle série. Alors aujourd'hui, la map, voilà, elle s'appelle The 13 Sins, c'est une map créée par Snap. Oui, le Snap que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos. Hardcore! Alors mettez-vous en hard, sinon ça va chier. Je suis sur mon serveur pour pouvoir profiter du slashback, je peux vous jurer qu'il est en hard, en difficulty 3, je peux vous fournir un screen si vous voulez, même si ça servira à que dalle. Bon bah c'est parti, alors je connais pas du tout la map, j'ai pas été spoilé, je sais juste que c'est super hard et que je vais en chier à mort et que la map est super grande. Allez c'est parti. Votre objectif est on ne peut plus simple, vous devez remplir le Wall of Sins. Il y a 13 blocs à récupérer, peut-être en diamant, peut-être en pierre. Et bah ça m'avance bien. Bon je vais devoir récupérer donc 13 blocs. Vous pouvez tout casser, crafter ce que vous voulez, tuer qui vous voudrez, piller tous les coffres. Ouais, piller all the coffres. Survivre en fait, par tous les moyens. Ah, voici un coffre de départ pour vous aider, mais sans bois, vous irez pas loin. Ok. Alors Snap, il va déjà gueuler parce que j'ai modifié le coffre. j'ai rajouté quelques torches parce que sur YouTube, vous savez très bien que la qualité d'image, elle est... Merde, je suis en créative, donc je vais enlever le créative. Fuck, slash créative, ta gueule. Oh, bah je suis avec le skin de Jean-Kevin. Bon, bah c'est pas grave. Donc oui, j'ai rajouté quelques torches parce que YouTube, elle change drastiquement la qualité vidéo. Putain, j'entends des slips, c'est horrible. Oh, il y a du truc là-bas. Je vais parler par là parce qu'on entend beaucoup mieux. Oui, donc YouTube assombrit les vidéos, donc je me suis rajouté quelques torches histoire qu'on puisse y voir un peu quelque chose, parce que sinon ça va pas le faire. J'espère que vous aimez la bedrock. Bah ouais, c'est sympa la bedrock, c'est noir, c'est métal. La Casa del Start. Shame City. Non, je vais pas y aller. Dirt Valley, Chamber of Epicness. Ah d'accord, il y a du ciel au-dessus. Ah non, à côté. Ouais, on le voit là, bon. Il y a une pancarte là, je vais dire. Le wall est par là, by the way. Il serait conseillé de commencer par là. Bah c'est parti. Alors, je vais un peu parler de ce qui concerne la chaîne pour l'instant, tant qu'il n'y a que dalle. NSA, je vous l'avais vu, Nether Survival Hardcore, c'est un petit peu en suspens, c'est normal. On est 4, il faut qu'on s'accorde tous les 4 à pouvoir y aller. Oh, il manque de la bedrock là. Juste un truc, ça ne servira à rien de sortir de cette boîte de bedrock, honnêtement. Bon, j'en avais pas l'intention, écoute. je suis sûr qu'un coffre vous fait plaisir, je vais être gentil. Ouais, de la bouffe. Bon, je prends tout, hein, on sait jamais. Jusqu'où irez-vous pour un sapling? Ouais. Donc LSH, oui, est en suspens parce que, bon, on est 4, faut qu'on s'accorde tous les 4 à pouvoir tourner, c'est pas facile. Normalement, on va reprendre début mars. La barrière, bien naturelle, franchement. Tu m'étonnes. Alors, ah, l'eau est profonde de 1, ne sautez pas dans All Air Victorious, just saying. Tu veux dire qu'il est en haut, le sapling? Bah, ok. C'est parti. Ah ouais, faudrait que j'essaie d'y arriver avant la tombée de la nuit, ce serait sympa, parce que sinon je vais en chier à mort. Parce que attaquer du creeper et du squelette à la main, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est parti. Oh là là. Pff. Va falloir que je... Ça va pas être très passionnant, je vais devoir farmer de la dirt. Bon bah c'est parti, écoute, je vais niquer la pioche en... La pioche. La pelle en or, parce que l'or c'est inutile. Enfin si, l'or est plus puissant que tous les autres matériaux, mais bon, c'est pas du tout résistant, quoi. Voilà, bon. Voilà, j'ai déjà plus de... J'ai déjà plus de pelle. Alors je vais monter. Ah ouais, Dirt Valley, c'est Dirt et Grass Valley, en fait. Ça porte bien son nom. Oh là là. Ah ouais, oula, je vais devoir éviter de sprinter aussi parce que la bouffe elle va descendre. Et ouais, j'avais oublié ça. Oh là là, bordel. Et la nuit va commencer à tomber. 40.
Il y a un coffre là-bas, je suis... Oh putain. Non, le sapling d'abord, parce que le sans bois, je vais pas chier très loin. Ouais, sans bois, j'irai pas loin. Sans arme, j'irai pas loin. Donc, à moins qu'il y ait une arme là-dedans, je sais pas du tout. Allez. Encore un peu. Et là, c'est bon. Il y a un squelette là-bas. Je vais pas y aller. En tout cas, il y a une grotte, c'est bon à savoir. Voilà, alors faut pas que je me foire. Spawner à cochon. Ah mais oui, mais comme je suis en multi, je vais pas du tout savoir c'est quoi les spawners. Merde. Et ouais, putain, je voulais profiter du slashback, mais ça... Bon bah, ce sera les surprises, écoute. Et ouais, en voulant profiter du slashback, je m'handicape pour les spawners. Bordel de merde. J'y ai pas pensé. Alors, j'ai une belle... Ah bah j'aurais une meilleure vue d'en haut. Oula. Faut pas que je fasse le con. Sinon c'est la mort assurée. Ok ok, vous le voulez ce putain de bois. Hein. Et ouais, tu m'étonnes que je le veux ce bois. Alors, on va réorganiser l'inventaire un peu. Tac, tac, la bouffe là, ça me sert pas. Ça c'est la bouffe en cas d'urgence. Sapling, je vais... Alors, je vais prendre de la hauteur. Ok, là-bas il y a un slim, là-bas il y a une espèce de grotte. Là il y a un lol, on dirait qu'il y a du diamant au milieu, va falloir le récupérer, mais pour l'instant j'ai rien. Là il y a du charbon, ah c'est bien ça. J'ai pas de pioche, d'accord. Tac tac. Ok. Ok, là il y a un coffre. En bas il y en avait un, je vais aller tout de suite le récupérer. Je vais récupérer ma blouse. J'en aurais peut-être besoin. On ne sait jamais. Allez. Aïe, je me fracture à moitié les jambes. Voilà. Alors quand je vais bouffer de la viande de zombie, je vais éviter de bouger, mais... Histoire que la vie remonte et que ma barre de bouffe ne descende pas. Donc voilà, je m'handicape à moitié, c'est pas grave, la nuit va tomber, mais bon. Et bah ça descend quand même, même si je fais rien. Casse bien. Bon bah tant pis, hein, j'avance. Rien à foutre. Ah mais je peux pas savoir à quel niveau est la... Je peux pas savoir à quel niveau est le soleil. Non. Bon. Le coffre, il était là. Voilà. Je vais aller vers le coffre. Je vais voir ce qu'il y a dedans et je vais aller vers le Wall of Sin parce que je sais pas du tout quel type de bloc je dois récupérer. Ce sera certainement indiqué là-bas. Hop, c'est bon. Alors, je vais y aller calmos parce que j'ai pas envie de me faire perdre des points de vie comme un con comme tout à l'heure. Cette map va vous troller à mort. Bon déjà, je coupe TMI parce que ça va vous faire chier. Ok. Bon bah... Je sais pas, ça peut peut-être servir, donc je vais récupérer. Ouais, du cactus. Bon bah voilà. Du super cactus. Alors bon, j'ai pas de... j'ai l'impression que la nuit tombe. Merde. Mais non, je suis con, il suffit que je pose là pour savoir s'il y a un truc en dessous. Non, il y a que dalle. L'été ou l'autre... en haut, d'accord. Là, il y a un semblant de grotte. Chaque chose en son temps, le wall d'abord, et la nuit va tomber, et merde. Alors... est-ce que vous voulez de l'exclu? Je suppose que oui. Alors, de l'exclu, c'est que je suis en train de créer un mode pour Minecraft. Wouhou! Ouais, un mode qui va rajouter des CD, qui va rajouter des crafts pour les CD existants déjà dans Minecraft. Je vais également rajouter le CD qui n'a pas été intégré dans le jeu. Oh ouais, de la stone! Ça pourrait peut-être me servir pour faire des armes en pierre. Donc ouais, donc ça va être un mode qui va rajouter des CD essentiellement. Bon, c'est pour débuter dans les modes, hein. Écoute, c'est ce qu'il y a de plus simple, je pense, à faire. Je rajouterai peut-être des trucs après, j'en sais rien, je verrai bien.
Alors, où c'est... Oh putain, c'est sombre. Oh putain, c'est sombre. Il y a une araignée. Crève. Ça va aller, enfin... Oh merde, putain, le squelette. Je vais bouffer. Oh putain, ça me fait récupérer que dalle. Non. Bon bah, viens, on va écoute. Voilà le squelette. Crève, putain. Oh là là. Ah, il y en a un deuxième. Oh la vache. Ah ouais, je vais en chier, en effet. Putain, crève. Oh là là. Je vais... je vais déjà mourir. Oh merde. Oh god. Il y a de la lumière là-bas. Ça doit être là-bas que je dois aller. Bordel. Ouais, j'ai eu l'araignée. Bon bah bonne nouvelle. Écoute. Oh putain, je vais crever. On va attendre que la vie régène. Donc voilà, donc mon mod, il va rajouter quelques disques. Je ferai une vidéo dessus pour vous montrer les différents crafts. Donc laissez-moi le temps de le finir. Hein. Ça va me prendre un peu de temps. Surtout pour faire les crafts, c'est ce qui est le plus long à faire. Donc je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous montrer tous les crafts, vous montrer tous les CD. Et il y aura un lien de téléchargement dans cette vidéo-là. Donc voilà, bah c'est c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vais récupérer la deuxième barrière, on ne sait jamais. Bon, je pense avoir assez de gènes. Oh là là. Ah ouais, je suis en multi, ça va bloquer un peu. Ah, ils s'attaquent entre eux. Ah, les gogoles. Ah bah, il y en a un qui est mort. Allez, c'est parti. Merde. Putain, j'ai une épée en bois, c'est parce qu'il y a de plus cool. Je vais sécuriser la zone à fond. Par ici, un petit peu de torches. Là, il y en a besoin, là, il y en a besoin, là, il y en a besoin. Voilà pourquoi j'ai récupéré plus de torches que ce qu'il y avait au départ. Hein, parce que, voilà, comme ça, au moins, vous voyez ce qu'il y a. Il y aurait un truc qui aurait été bien, c'est que je plante un sapling avant. Alors en plus j'ai de la bonne, je vais pouvoir me faire une pioche. Ouais. Je préfère c'est... Alors je vais prendre un sapling comme ça parce que ça donne plus de bois. Alors, je dois faire attention. Hop. Chou ! Un arbre. Voilà. Alors, tac. Oh, je suis un gros malade en... Je fais cette nuit, mais pour l'instant il n'y a pas l'air d'y avoir de mobs dans le coin. J'ai combien de bois? 4, ok. Bon bah j'aurai déjà ma table de craft. Faire une pioche en bois. Écoute, ah si j'ai eu un sapling. J'en ai deux même. D'accord, génial. Je vais planter le deuxième et je vais attendre qu'il pousse naturellement. Parce que je vais certainement revenir dans cette zone. Bah, il y en a un troisième, génial. Il va être où celui-là? Il va être en haut, écoute. Ouais, je vais certainement revenir dans la zone. Donc, c'est peut-être pas fait super là. Voilà, là je pense que ça va être bon. Ouais, je vais sûrement revenir dans la zone, donc voilà. Du charbon, donc. C'est parti, table de craft, hop. Il me faut de... Non. Oula. L'effet... Bof, hop, ça va pas me servir, donc... des sticks. Et... pour l'instant j'ai pas de quoi me faire un arc, ce serait bien que je m'en fasse un. Alors c'est parti, on va récolter. Alors la stone déjà je vais la stocker là. Ça je vais le stocker, il va me falloir de la bouffe absolument, il va falloir que je bute du zombie. Ça va être essentiellement ma seule source de nourriture. D'ailleurs j'en entends un, je sais pas où il est. Peu importe. Les zombies c'est pas ce qu'il y a de plus dur à buter, écoute. Hein.
Il est sur ma droite. Ah, je vais récupérer tout le charbon qu'il y a dans cette salle. D'ailleurs, le zombie, il est pas dans la salle, écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, je me rapproche du zonzon. Tant qu'il me fasse pas chier. Bah, normalement, la salle est sécurisée, donc je devrais pas avoir de problème question mob. Alors, je vais me récupérer du charbon, ça va me permettre d'avoir du combustible. À condition que je trouve de la stone. Il était pas en haut le charbon? Ah si. Le chacha. Ça me permet d'avoir du combustible, mais bon, je parle de combustible, mais si je veux un four, il faut que je trouve de la stone et de la cobble. Donc pour l'instant, la stone, je la garde, on sait jamais si c'est des blocs de... C'est des blocs de stone qu'il faut pour le wall. Ou puis même si je la convertis en cobble pour me faire des armes ou des pioches, je sais pas ce qu'il va me falloir. Tout dépendra... Oula, ça me fait une torche là. Tout dépendra du type de bloc que je devrais récolter. Ce sera peut-être... Ouais, enfin, je verrai bien, écoute. J'ai récupéré tout le charbon. Ouais. Alors, je vais mettre une torche là, ça me semble pas assez éclairé. Et... C'est parti, on continue. Alors, je vais prendre mon épée en bois minable. Ok, il n'y a pas de mob. Parfait. Dirty Valley. Space Port Alpha. Ah, génial! Ça vient de... Je vais Diddy Kong Racing, ce nom-là. Si je me trompe pas. Alien Ruins. Wall of Sins. Oh putain. Non, je sais pas c'est des spawners de quoi, mais j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Il y a un zombie, ça se trouve il m'attend en haut, cet enfoiré. Alors, faut que je monte. Ah, il y a un squelette, viens là. Viens là, enfoiré. Viens. Allez, viens, on est bien. Ah merde, y a un creeper là-bas. Non, n'y va pas. Putain, l'enfoiré. Eh putain, et je récupère pas, je gêne pas. Il vient pas là. Bâtard. Ah, je vais crever là. Si descend pas, je crève. Bon, j'ai bientôt plus de bouffe. Eh merde. Y a du zombie dans le coin, je sais pas où il est. Je vais sécuriser ces zones-là. Oh putain, le creeper va me voir, j'en suis sûr. Non, il m'a pas vu. Yeah. Alors, je vais régénérer ma vie. Et... Ah bah, il a l'air de faire jour, écoute. Je peux pas vérifier, donc... Ouais. Oh putain, ça bug. Vive le power. Crève, enfoiré. Voilà. J'ai eu un os. Hop. Bonne mille, direct. Alors, tac. Et voilà. J'ai plus que 6 torches, il va falloir que je m'en fasse. Je vais me faire des torches tout de suite. Hop, 26. Je vais garder un peu de bois quand même. Voilà, 58 torches, ça devrait suffire. Oh. Alors. Le Wall of Sins. Le but est très simple. Oh, des NPC. Des NPC en cage. Bien fait, vous êtes moches, vous avez des têtes de bite. Alors, ouais, bah, ils ont un peu des têtes de bite, faut dire. Hein. Le but est très simple, vous devez remplacer les 13 blocs de verre par des blocs d'or. Ok. Une fois que ce sera fait, vous aurez gagné bonne chance, ni snap. Blocs d'or. Il me semble qu'il me faut des pioches en fer pour les blocs d'or.
Bah écoute, qui dit pioche en fer dit pour récupérer du fer, je dois avoir du bois, donc je vais me faire une. Je dois avoir une pioche en pierre, donc je vais me faire une pioche en pierre. Comme ça, ce sera fait. Alors. J'ai plus de bâton. Je vais me faire direct la pioche en pierre. Je vais la garder précieusement pour l'instant, je vais pas m'en servir. Tac, putain, j'ai plus beaucoup de bouffe, c'est que ça, ça craint ça. Et ça, je suppose que c'est les noms des zones que je devrais visiter. Bah, je vais prendre un papier et je vais les noter. Alors, c'est parti. Je vais noter sur mon PC, c'est pas grave. Alors, Mount Cuckooland. Ça me rappelle quelque chose, ce truc. Alors, Mount Cuckooland. Crazy, crazy madness. Je l'écris comme une merde, mais c'est pas grave. Crazy Madness. Je note pas tout parce que ça va me faire perdre du temps. Alien Ruin Dirty Valley. Alien Ruins Dirty Valley. Pit of Snake et Captain Snap machin. Pit of Snake. Snake. Alors je sais pas s'il parle du serpent ou de Snake de Metal Gear. Captain Snap Bidule. Et les 6. Mais je pensais qu'il y en avait 13. Ah, il y en a peut-être un derrière. Spaceport Alpha. Alpha. Dusty Dune Désert. Ça me rappelle quelque chose encore ce nom, Dusty Dune Désert. J'hallucine peut-être. Infernal Inferno, Rotland. Infernal Inferno. Dirtland. Shum City. Shum City, ça se trouve la ville est moche. Shum City. Et The Erwan Dimension. Yeah, metal. Eh oui, eh ouais. Erwan Dimension. Eh ouais, car pour la map, j'ai passé ma maison à Snap. Donc, ce qui paraît, il l'a mis dans la map. Donc, j'ai 13 zones inconnues, d'accord. Donc, j'ai 12 zones à visiter. Et dans chaque zone, il y aura un bloc d'or. Ok, ok. Donc, il y a une zone, voilà. Donc, c'est ce que je disais. Snap a pris ma maison pour sa map. Ma maison pour sa map. Voilà, je bafouille. Donc il a pris ma maison pour sa map. Je vais reprendre mon épée. Et donc il y aura ma maison dans cette map de malade. Bon pour l'instant c'est pas trop... Si c'était bien hardcore quand même avec les squelettes qui m'ont fait chier. Un...